Salut mes vikings, en attendant la sortie du challenge qui sortira le 5 juillet, on va se faire une séance par semaine pour brûler du gras et faire du muscle. Donc aujourd'hui c'est une séance full body, on va travailler l'intégralité du corps, il y aura 10 mouvements, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération et 30 secondes de récupération à la fin de chaque tour et il y aura 3 tours au total. Je te présente les mouvements du jour. Donc premier mouvement, vous allez avoir besoin déjà d'haltères ou de bouteilles d'eau et si vous avez rien, rien du tout. Squat boxing, donc on se met en position. Squat, on descend quand on arrive en bas. 1, 2, et on remonte. Squat, 1, 2, et on remonte. Deuxième mouvement, burpees climber. Donc on va se mettre en position planche sur les mains. On va monter en mountain climber. Donc 1, 2, on remonte, on saute. Ainsi de suite, 1, 2, on remonte, on saute. On pense à bien ancrer son ventre un maximum. Troisième mouvement, super bûche côté droit. Donc vous levez la jambe droite, le bras gauche. En opposé, dans cette position. Quatrième mouvement, la même chose de l'autre côté. Donc jambe gauche, bras droit. Comme ceci. Cinquième mouvement, reptile couch. On se met en position. Comme ça, et on vient toucher ses genoux. On rentre un maximum son ventre, on essaie vraiment avoir une belle posture. Sixième mouvement, pompe Superman. On peut le faire à genoux ou en pompe classique. On descend quand on arrive en bas. Superman, et on revient. Superman, et on revient. Septième mouvement, abdominaux, V-up alterné. On se met à plat dos, les mains derrière, et on vient toucher. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, et ainsi de suite. Huitième mouvement, récupère les haltères. On va alterner. Élévation latérale, élévation frontale. Ok, on monte pas trop haut, on fait attention à un bon mouvement, on contrôle ce mouvement. Dans la montée comme dans la descente. Ensuite, on partira sur des fentes alternées vers l'arrière pour solliciter un maximum ses fessiers. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Ceux qui ont du poids, on garde les haltères de chaque côté. Et dernier mouvement, planche. On va se mettre sur les coudes et on montera sur les bras et on redescendra sur les coudes. Et ainsi de suite pendant 30 secondes. On pensera à serrer ses fesses au maximum et à bien rentrer son ventre pour faire un mouvement de qualité. C'est vraiment la base, un mouvement de qualité pour un muscle de qualité. Et c'est comme ça que tu vas durer dans le temps. On va partir pour l'échauffement, talons aux fesses. C'est parti. Allez, on souffle bien, on monte en température. On rentre dans sa séance. On est là pour brûler du gras et pour faire du muscle. Allez, on souffle bien, on donne de l'oxygène à ses muscles. Allez, super. On relâche, on va se mettre en position squat, les bras devant, et on part pour 5 squats. 1, 2, 3, 4 et 5. On se met en position military press à vide et on part sur 8 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On repart, talons, fesses. Allez, on monte en température. Chauffe bien, souffle bien. Allez, on est bien. Allez, on descend. On se met à 4 pattes. Et on va faire 5 donkey kick comme ceci. Jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. On se met à genoux, on passe en position pompe. On va faire 5 pompes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on se relève. Rotation, cheville droite. Rotation, cheville gauche. Rotation des genoux. Allez, rotation du bassin, des poignets. Et c'est parti, on va partir sur la séance. Je lance le chrono. Pour ceux qui ont les haltères, on prend des haltères. Sinon, on part sur squat, boxing. Everybody kind of been by.
Allez, on souffle bien, la tête bien dans l'axe. On essaie d'avoir de l'amplitude sur son squat. Allez, on met du rythme, d'intensité. On est de suite dans sa séance. Allez, super, bon mouvement. Viens bien chercher. Allez, on se rentre dedans direct. Super, on relâche, on pose les haltères. On passe Kimber Burpees. Allez, on rentre bien son ventre. Et on saute. Allez, tranquillement. Bien chercher. On passe à bien souffler, à bien respirer. Pour donner un maximum d'oxygène à ses muscles. Allez. On compose bien le mouvement. 1, 2, on remonte. Et on saute. Allez, on fait du gras. On fait du muscle. Et on relâche. Allez, on se place à 4 pattes. Et on part sur la super bûche. Avec la jambe droite en premier qui part derrière. Allez. On bien son ventre. On a une belle posture. Allez. Mets du rythme. L'intensité. Super. Allez, on passe à bien souffler. Et on relâche. Allez, on va passer super bus cette fois avec la jambe gauche qui part derrière. Au moins, t'es gogo. Allez, on souffle bien. On met de l'intensité. On met du rythme. Allez, on revient son ventre. On fait un bon mouvement. On contrôle bien son mouvement. C'est important. That's right, I'm coming back like OJ, like a running back in his old days. Still rocking those OJs. My paychecks got a little bigger, but that don't change me or make me richer. Et on relâche. Allez, on va se positionner. Position reptile. Et on va venir toucher en croisé. Main gauche, genou droit et inversement. No money or bank funds. Y'all been saying you can do it better, but none of y'all ever made it. Allez, on met du rythme. On rentre bien son ventre. Et on vient toucher. Super. Allez, mes vikings, c'est là que ça paye. On est bien. Allez, pense à bien souffler, à bien respirer. Et on relâche. Allez, on va passer aux pompes Superman. Allez, pense à bien rentrer ton ventre, à bien contrôler ton mouvement, à bien placer tes coudes. Ceux qui font du mal, n'hésite pas, on se met à genoux et on décompose bien le mouvement. Allez, on rentre bien son ventre, c'est important. On brûle du gras, on fait du muscle. Allez, les vikings, c'est là que ça paye. Et on relâche. On va passer V-up alterné. Allez, rentre bien ton ventre, tu reviens bien derrière la tête avec tes mains. Et dans l'idéal, tu viens toucher le pied si t'as du mal, le tibia. Et si t'as encore plus de mal, le genou. Allez, un bon mouvement. Super, pense à bien souffler. Allez, tu mets du rythme. Allez, on lâche pas, on s'accroche. Et on relâche. On récupère ses haltères. On va passer élévation latérale, élévation frontale en combiné. Allez. Un bon mouvement. On monte pas plus haut que son menton. Et on contrôle bien le mouvement. Dans la montée, comme dans la descente. Allez, on engage bien ses épaules. La tête reste bien droite. On est dans l'axe.
Allez, tu mets du rythme et d'intensité. Et on relâche. Allez, neuvième mouvement. Fente alternée, fente arrière, pour solliciter un maximum ses fessiers. Allez, on alterne. Jambe droite, jambe gauche. Allez, tu mets du rythme, tu viens bien chercher. Fais un beau mouvement. C'est de tenir bien droit. Tu perds un peu l'équilibre, c'est pas grave, tu te positionnes. Allez, on travaille sa mobilité, sa proprioception. L'objectif, devenir la meilleure version de toi-même. Allez, mes victimes. Et on relâche. Allez, dernier mouvement. Et après, ça sera la récup. On part sur planche relevée. Donc, on part sur les coudes. Allez, on rentre bien son ventre et on serre bien les fesses. On monte et on descend. Allez, ceux qui ont du mal, on n'hésite pas à se mettre à genoux. Le plus important, c'est de faire vraiment un beau mouvement de qualité. Allez, on souffle bien. Allez, on monte, on descend, c'est bientôt la récup. On va pouvoir s'hydrater. Il fait beau, il fait chaud, allez, tout est avec nous. Et on relâche. Allez, c'est parti pour 30 secondes de récupération. Bien faire du bien. Allez, on pense à bien s'hydrater, moi j'ai une bouteille. Enfant. Maman, je prends mes petits BCA. Aujourd'hui, j'ai oublié. Allez, encore 15 secondes de récup. On souffle bien. On va repartir sur le squat boxing. Deuxième tour. On lâche pas, on s'accroche, c'est dans la tête. Allez, on se met en position. C'est parti. Super. Allez, droite, gauche. Allez, on pense à bien souffler. On essaie d'avoir une belle mobilité. Allez, on est encore. Allez, et tu remontes. Viens chercher sur ton squat. Mets du rythme. Allez, souffle bien. Droite, gauche. Et on remonte. Allez, on pose des haltères. Timber, burpees. Allez, viens chercher. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on met de l'intensité, on met du rythme. On fait un bon mouvement. Super, mes vikings. C'est là que ça paye. Allez. Et on relâche. Allez, bien joué. On va se passer à quatre pattes. On part en super bûche. Jambe droite qui part derrière en premier. Jambe droite, bras gauche. Allez, on souffle bien. On fait un beau mouvement. Allez. Tu mets du rythme, tu mets de l'intensité. Mouvement hyper complet que j'adore. Super. Allez, je pense à bien souffler. On contrôle bien ton mouvement. Et pense à bien rentrer ton ventre. Et on relâche. Allez, on part sur la super bûche côté gauche. Donc cette fois, c'est jambe gauche, bras droit. On vient bien chercher. On contrôle bien ce mouvement. Allez, pense à bien rentrer ton ventre. Et on souffle. Allez, on donne de l'oxygène à tes muscles, c'est important. Et on relâche. Allez, on se met en position reptile. Et on va venir toucher ses genoux avec ses mains en croisé. Tu rentres dans le ventre, bascule bien la force sur la main qui reste au sol, la tête reste bien dans l'axe et on vient toucher. Allez, super, mais c'est là que ça fait.
Allez, pense à bien souffler. Mais du rythme. Super ça. Et on relâche. Allez, on va passer aux pompes Superman. Allez, on se met en position. On n'hésite pas, on rentre bien sur le ventre. On fait un bon mouvement. Si vous avez du mal, on se met à genoux. Le plus important, c'est vraiment de garder un mouvement de qualité ou un muscle de qualité. Allez, on souffle bien. On s'accroche, c'est là que ça paye. Et on relâche. Allez, on passe à plat dos. V-up, alterné. Jambe droite, jambe gauche. On souffle bien. On engage bien ses abdominaux. La tête reste dans l'axe. Allez, on vient chercher. Super, mes vikings. Allez, tu gardes le rythme. In a couple months you're gonna find out. Been blowing up from the underground and they stepping on a landmine now. And he knows. Et on relâche. Allez, on part sur élévation latérale et élévation frontale. On récupère ses haltères, ses bouteilles d'eau ou à vide si vous êtes à vide. Et on vient chercher, allez. On contrôle bien son mouvement dans la montée comme dans la descente. Ma base, hein, un mouvement de qualité pour un muscle de qualité. Allez, on souffle bien. Et on relâche. On garde les haltères, on va passer sur les fentes arrière, alterner, jambe droite, jambe gauche. Allez, on essaie de rester bien droit. Allez, une belle mobilité. Et on vient chercher. Regarde le soleil. Allez, on vient chercher de chaque côté. La tête reste bien dans l'axe. On rentre bien son ventre, on a une belle posture. C'est important. Allez, on souffle bien. Et on relâche. Dernier mouvement du deuxième tour. Allez, planche, relevé. Et ensuite, ce sera la récup. Allez, on descend et on remonte. On serre bien les fesses. On rentre bien son ventre. On vient bien chercher. Allez, on essaie de mettre du rythme. Si t'as du mal, t'hésites pas à te mettre à genoux. Hein. Et on remonte. Allez, rentre bien ton ventre, c'est important. Et on relâche. Allez, 30 secondes de récup qui font du bien. On pense à bien s'hydrater maintenant. Faites attention, pas trop, pour éviter les points de côté, pour éviter d'avoir envie de vomir. Il nous reste un tour. Je vais enlever ça. Il est temps de casser. Allez, on va repartir sur squat, boxing. On se met en position. Allez, on squat. 1, 2, et on monte. Allez, la tête reste bien dans l'axe. Une belle amplitude, une belle ouverture de bassin. Et on pousse sur ses cuisses. On est bien gainé quand on boxe. Et on pense à bien souffler. Allez, c'est le dernier tour. On envoie du lourd, on met du rythme. Super, mes vikings. Allez, c'est là que ça paye. Et on remonte. Et on relâche. Allez, on pose des petites haltères. Et on passe sur climber, burpees. Allez, 1, 2, on remonte, on saute.
Allez, contrôle bien ton mouvement. Mets du rythme. C'est le dernier tour. Allez, on est dans le sprint final. Là. Allez, super. Et on relâche. Allez, on part en super bûche. Jambe droite qui part derrière. En premier. Allez. C'est un beau mouvement. La tête reste bien dans l'axe. Et toi, ça bien soufflé. Allez. C'est là que ça paye. On s'accroche. Super, mes Vikings. Allez. Oh. Et on relâche. Allez, ça fait du bien. Je commence à être bien trempé. On part sur super bûche, côté gauche cette fois. Jambe gauche, bras droit. Allez, on rentre bien son ventre. Et on fait un bon mouvement. Allez, c'est un super mouvement. C'est là que ça paye. Et on relâche. Allez, on part sur reptile touch. On se met en position reptile. On va venir toucher chez nous en croisé. Essaye de toucher le plus de fois possible. Allez, tu mets de l'intensité, tu mets du rythme. Et on vient toucher. Allez mes Vikings, c'est là que ça paye. Et on relâche. Allez, on va partir sur les pompes Superman. Sixième mouvement. Allez, on s'accroche. On arrive bientôt au bout. Allez, une belle pompe. On tire bien, on pense à bien rentrer son ventre. On place bien ses coudes. Allez, on n'hésite pas. Ceux qui sont fatigués, on peut se mettre à genoux. On pense à faire un mouvement de qualité, toujours. Et là que ça paye. Et on relâche. Allez, septième mouvement, V up alterné. Allez, en droite, en gauche. Allez, on rentre ses abdos, on tire bien. Allez, pense à bien souffler. Allez, c'est encore fini. Et on relâche. Allez, huitième mouvement. On prend les haltères, bouteille d'eau ou à vide si vous êtes à vide. Et on part sur élévation. Latéral, élévation frontale, allez. Un bon mouvement, on rentre bien son ventre. Allez, on a une belle posture, on monte pas plus haut que son menton. Contrôle bien ton mouvement, c'est important. La tête reste bien dans l'axe. Allez mes Vikings, et on relâche. Allez, on part sur les fentes alternées. On part vers l'arrière, jambe droite, jambe gauche. Un coup à gauche, un coup à droite. On essaie de rester le plus droit possible. On part vers l'avant. Allez, on prend le temps, on fait un bon mouvement. Mouvement de qualité pour un muscle de qualité. C'est la base. C'est comme ça que vous allez travailler avec moi. Allez, on transpire ensemble là. On brûle ensemble.
on prépare l'été. Et on relâche. Allez, dernier mouvement, les 30 dernières secondes. Planche relevée. On part à genoux, on part sur les coudes. Allez, on monte et on descend. Si vous avez du mal, vous pouvez vous mettre à genoux. On pense à bien rentrer son ventre. Bien serrer les fesses. Allez, tu mets du rythme. C'est la fin là. Les 15 dernières secondes. Allez, un maximum d'intensité. On se fait plaisir. C'est là que ça paye. Super mes vikings. Allez. Et c'est terminé. Bravo à tous. Pour ceux qui veulent continuer à faire un ou deux tours supplémentaires, vous avez juste à cliquer sur la séance en commentaire et ça vous remet au début de la séance pour continuer. En tout cas, j'espère que cette séance vous a plu. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à la sortie du challenge qui sortira le 5 juillet, on fera une séance comme ça par semaine. Ce sera abdos fessiers, ce sera full body, ça sera jambes. C'est tout au poids de corps, c'est possible de le faire sans matériel dans le challenge. Vous avez la partie alimentation qui va être vraiment importante, très facile à suivre et vraiment accessible à tout le monde. L'objectif, devenir la meilleure version de soi-même. Vous pouvez aussi retrouver mon livre que je mets dans mes commentaires. 12,90, vous avez 8 semaines de programmation, c'est quelque chose qui est bien. En tout cas, rendez-vous le 5 juillet et en attendant, rendez-vous à ta prochaine séance qui va envoyer du lourd. Ah.